Bon, partons à la quête de ce 100%, j'ai pas mal de quêtes secondaires à faire. Les niveaux à compléter à 100%, on verra le temps que ça va prendre. Mais on a beaucoup de quêtes, on a beaucoup de quêtes et de trucs secondaires à faire. C'est bon le son du jeu. Ah, le son du jeu est quand même fort, ouais. J'ai l'impression qu'il est giga faible le son. Ok. Alors si je dis pas de bêtises, ça on l'avait terminé à 100% cette map. Oui, très bien. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va carte du monde. Alors Sabordon, je vais peut-être pas faire maintenant. On va faire le Mont Jabot. C'est quoi? Commençons par le bas. Faisons par ordre. Le Mont Jabot, il est là. Et le Mont Jabot, j'ai beaucoup à faire. Attends, c'est toutes les mêmes quêtes ou c'est genre... Attends, non mais j'ai pas autant de quêtes que ça à faire. Attends, comment on voit les quêtes secondes? Hein? Pourquoi j'ai autant de quêtes à faire? Je peux pas me TP, tu te fous de ma gueule. Je peux pas me TP? Bon. Un peu mal fait hein, cette histoire. Hein. Les TP, je sais pas si c'est buggé ou s'il y a une raison pourquoi ça ne veut pas, mais c'est pas clair. Hein. C'est vraiment pas clair. Bon, mon jabot, allons-y. Allons-y, allons-y. Mon jabot, c'est là-bas, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mon jabot, on a combien de pourcents? 29%! Ah ouais, j'ai rien fait. J'ai rien fait du mon jabot. Tu m'étonnes. C'est le lane. Ben ça va. Ça va, ça va. Le sort s'acharne. Ah merde, je me suis invisible. Alors. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que j'ai comme quête? Parce que j'ai vu qu'il y avait une quête juste là. Enfin... Mais juste avant, ça m'a... Attends, mais... Ah, attends. Il y avait pas 800 milliards de ping de quête? J'en peux plus. Chaque jour se ressemble. Réveil, travail, sommeil. Je comprends plus rien. Réveil, travail, Sommeil. sommeil. J'aspire à autre chose. Ouais. Les gobelins doivent se soulever. C'est notre seul moyen de nous libérer du joug de Vorkhanar. Vorkhanar. Si cette chose est un vrai dragon, moi je suis un raptor céleste d'antofractal. D'accord. Mais je... Attends, mais pourquoi quand on a regardé dans la carte du monde, il y avait 800 milliards de ping de trucs à faire? Et pourquoi quand j'y suis, il n'y a plus rien? Je comprends plus rien. Je ne comprends vraiment plus rien, je... Un boulot bien fait, y'a que ça de vrai. C'est vrai. Bon, attends. Si je regarde ma map. J'ai toute cette zone là que j'ai pas visitée. Il y a tout ça jusqu'à là-bas que j'ai pas visité. Mais je suis pas censé avoir des quêtes. Ça qui me rassure pas, c'est que je suis pas censé avoir des quêtes. Est-ce que je verrai peut-être les quêtes en avançant? Parce que pour l'instant, ça me rassure pas cette affaire. Attends, je peux pas cut comme ça? Si. On peut cut comme ça. Que j'ai toujours pas récupéré d'armes... D'armes giga fortes, hein. On est toujours en galère avec nos armes. Mais bon. Donc ça, tout ça, on s'en fout. Il me semble que ça, j'avais bien fouillé. Si je dis pas de bêtises. Donc ça, on peut passer. Voilà, il y avait toute cette zone énorme que j'avais pas fouillée. Le lac scintillant.
What? C'est la première fois que j'en vois un. Bap, bap. Oh, j'ai jamais eu de gobelin à loot. S'il a pas un seul légendaire, c'est une honte. Hein. Eh bah, fun fact, c'est une honte. Fun fact. Fun fact. Juste fun fact. C'est une tristesse. Mais et lui, il drop un légendaire, mais ça n'a aucun putain de sens. Mais ça n'a aucun putain de sens ce qui se passe. On a un gobelin à loot devant nous, on les tire dessus, ils drop pas de loot. Par contre. Oh putain, mais. Oh please. Faudrait vraiment que je trouve une arme forte parce que j'en peux plus. Hein. Ça, normalement, ils l'ont buff normalement. Ouais, si. Une amélioration de dégâts. C'est bordel ce chat. Ah mais ce jeu ne fait aucun sens de toute façon. Bon, il y a toute cette zone là que j'avais pas fouillé. Et vu qu'il faut qu'on trouve les dés dorés, on va fouiller. Je suis vraiment à deux doigts de gerber. Vraiment à deux doigts de gerber. Alors, donc, en général dans les maisons, proche des maisons, il y en a. Donc si on fouille bien, bah tiens. Mais ta gueule! Mais elle nique l'histoire! Mais c'est fou de faire ça! Bon, ouais. Son merde. Ton perso a le Covid. Hein? Pourquoi? J'ai pas compris. J'ai pas tout compris. J'ai envie de gerber. Ah, le Covid donne pas envie de gerber, hein, Flamingo. Hein. À aucun moment j'ai eu envie de gerber quand j'ai eu le Covid. Hein. Envie de crever, ouais. Mais pas envie de gerber. Pourquoi j'ai pas adopté une rose sylvanienne plutôt? Ouais, bon, ça marche bien. Hein. Ça marche bien, on va utiliser ça. Hein. Ah, on peut aller dans la flotte. Alors, de mon expérience de gamer, en général, les coins comme ça, ça peut cacher des trucs. Est-ce que j'ai raison? Non. Donc mon expérience de gamer, je me la fous, je pense. Non, c'est pas qu'il a une gastro, c'est qu'il y a son champignon qui arrête pas de lâcher des caisses. Donc forcément, vu que son champignon est en état de putréfaction, bah forcément ça fait des pets horribles. Ah, vous suivez pas. Vous suivez pas ce qui se passe. Forcément. C'est une perle près de vous. What? Cassez-la. Okay. Je veux me souvenir. Oui, j'arrive. Mais attendez, je me suis fait pousser. J'ai pris un knockback. Là. Hey, ya! Pour se faire un peu d'argent. Ah oui, c'est vrai. Un commerce d'élimination des verrues. Mais il a fait pousser une troisième tête à un client. Heureusement, entre son éloquence naturelle, mon coup de poing démoniaque et un onguent cutané, la situation s'est arrangée. On forme une bonne équipe. D'accord. Ah oui, ils ont fait un truc aussi dans la mise à jour récente. C'est qu'ils ont changé la couleur des skins. Ça, avant, c'était violet. Maintenant c'est couleur blanche ou couleur thune. Donc c'est plus facile et ça prend. C'est moins le bordel dans l'inventaire. C'est moins bordel du coup. C'est la fin. Bah, en soi, c'est pas un mauvais Borderlands. Le problème, c'est que le jeu se termine très vite et tu t'ennuies très vite. Ce qui peut en faire un mauvais Borderlands. Parce qu'un Borderlands, t'es pas censé t'ennuyer aussi rapidement, tu vois. Je me demande quel est le meilleur endroit pour enterrer mon butin. J'ai l'impression d'être un écureuil.
Oui. Du coup, c'est... Bon, moi, en tout cas... Je pourrais pas y rejouer comme j'ai pu rejouer à Borderlands 3, Borderlands 2, tu vois. Là, je l'ai fait maintenant, et après, je le referai pas, je pense. Plus y a de death, meilleur sera le butin. Donc, je pense pas que ça soit une bonne chose. Bon, là, j'ai l'air que les autres Borderlands. Oui et non, mais en fait, le problème qu'il y a dans ce jeu, c'est que... Les légendaires, t'as trois façons majeures d'en avoir. C'est soit tu butes les boss, soit tu fais les fameux obélisques qui font pop un boss à la fin, donc en soi tu farmes les boss aussi. Soit c'est du world drop, c'est-à-dire que tu butes un mec random et t'as un skin. Enfin, t'as un légendaire. Le problème, c'est que... Bah en fait, c'est très rapidement la même chose tout le temps, en fait. Merci Runa pour le 13e mois, merci beaucoup. Et t'as pas de quête pour moi, toi? Ok. Du coup, ça, en fait, c'est... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette aura qu'avaient les autres Borderlands, tu vois. Mais le truc principal pour moi, c'est que vraiment... Bah j'ai fait le jeu une fois. Et j'ai pas envie de le refaire plusieurs fois, tu vois. Ça, oui, trop de skins, ouais. Ils ont fait trop de skins. Bon ça après, c'est du bonus, c'est pas dérangeant. Mais... Après le truc qui me rend triste, et c'est tout con hein, mais Borderlands était connu pour une chose, c'est qu'en fait, pour monter ton personnage au max et avoir tout ce qu'il faut, fallait que tu fasses le jeu deux ou trois fois. C'est-à-dire que t'avais un système de New Game Plus qui te faisait refaire le jeu au niveau que t'avais en ayant terminé la partie d'avant. Il n'y a pas ça dans le jeu. Dans le jeu, tu fais la game une fois, point. Et ça peut paraître con, parce que pour certains, certains n'aiment pas trop ça. Mais en fait, c'est ce qui faisait le cœur de Borderlands. Tu vois, de faire le New Game Plus une ou deux fois pour être au niveau max. Bah en fait, c'était normal. C'était normal dans Borderlands. C'est ce qui rendait le jeu ultra long à faire et ultra complet. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas ça dans le jeu. Du coup, tu fais l'histoire une fois, puis après tu farmes. Alors qu'à dans les autres jeux, tu faisais la partie une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois selon les jeux. Ça dépendait des jeux. Et ensuite, tu faisais du farm. Donc le temps de jeu était triplé quoi. Après ça peut pas plaire à tout le monde tu vois, c'est un truc qui plaît pas forcément à tout le monde le fait de triple farmer comme ça, enfin de faire le jeu plusieurs fois. Et... Bah moi je trouve ça dommage. Parce que pour moi Borderlands c'est ça, Borderlands c'est de refaire le jeu plusieurs fois pour avancer au fur et à mesure. Et vu qu'il y a pas ça dans le jeu bah c'est triste. Voilà. Ah il y a la quête. Je n'ai pas joué, c'est quoi le but? De tirer sur tout ce qui bouge et de faire des quêtes. On passe à la phase suivante de l'opération. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y avait la suite de sa quête, elle. Assassin de Vorgana. Hein. Let's go. À présent, on doit s'emparer des engins de production et les détruire. Montrons à Vorgana de quel... Bon, il y aura sûrement des DLC de prévu, ouais, mais bon. Viens, c'est par là. Et toi, si je devais choisir, je pense que je rejouerais à Borderlands 2 maintenant. Que refaire ce jeu là ça m'intéressera pas du tout. Et c'est ça qui est con étant donné que c'est censé être le but du jeu de pouvoir le refaire plusieurs fois. Et là c'est pas intéressant de le faire tu vois. Comment sinon? Non je parlais de ce jeu là justement. Expliquer qu'en soi c'est pas un mauvais Borderlands mais c'est un Borderlands où on s'ennuie très très vite. Du coup ça m'attriste un peu. Ça m'attriste un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Allez-y, venez jeter un œil. Laissez-moi voir ça. Permettez-moi de vous alléger. J'ai même pas envie de garder les trucs. Une pièce de plus à ma collection. Vous avez trouvé ça où? Je peux savoir? Permettez-moi de vous alléger. Voilà, merci de m'alléger. Je vais mettre ça à la place de ça. Trop envie de te voir sur BL2 BL3. Bah si je refais ce serait BL2 je pense. Après la question c'est est-ce que je refais une partie classique ou est-ce que je prends... Est-ce que j'ajoute un mode pour avoir un petit peu de variété, je sais pas. Bah non mais le problème c'est ce que je disais sinon c'est que c'est pas un mauvais jeu. C'est juste... Il y a pas de honte à faire face au meilleur. C'est juste que les Borderlands de base
T'es censé pouvoir y rejouer en boucle sans t'ennuyer. Là, j'ai à peine fini l'histoire, je m'ennuie déjà, tu vois. C'est pas normal. Pour un jeu Borderlands, c'est pas normal. On a du mal. Ouf. Ouf. Du coup, ça m'attriste un peu. Alors par exemple, tu vois, Borderlands 2, je pourrais le faire en boucle et je m'ennuierai jamais, quoi. Borderlands 3, un peu aussi, même si, bon, Borderlands 3, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Un petit mode pour passer cette... Ouais, bah ouais. Parce qu'après, des modes qui rajoutent des nouveaux légendaires et tout, dans Borderlands 2, il y en a plein. Hein. T'as aucune pitié. J'adore. Ça pourrait se faire, faut voir. Mais bon, c'est... C'est dommage de le voir comme ça. Puis même, le farm de légendaire dans ce jeu est pas... Hein ? Farm de légendaire est pas... Pas incroyable. Quoi ? Trop pas ? De toute façon, c'est qu'un jeu débile. Quoi ? Pardon ? Un jeu débile ? Quoi ? Retire ce que t'as dit, Valou relou ! Genre tout de suite. Ok, c'est bon, je retire. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Ça te va? Ouais. N'en fais pas trop non plus. Eh ben... C'est un jeu très amusant et je m'éclate bien. Et ben voilà. Quel enfer. C'est le date. Les armes avec effet spécial level max, autant faire les quêtes secondaires après The Worm. Ouais, bah je me doute bien. Je me doute bien. Mais même tu vois, enfin, de ce que j'ai pu voir, y a pas de légendaire qui sort du lot, tu vois, t'as pas un légendaire où tu te dis putain ça c'est du bon truc, tu vas le farmer en boucle et tout. Il manque ça. Je m'en fais pas en enfer. Des gobelins sexy de ta région veulent te faire la peau. Ouh, de faire la peau. Merde, trop tard, tant pis. Boop. Mais bon, on va au moins avancer dans le 100% quand même. Parce qu'un Borderlands, ça se fait au max. Des gobelins sexy dans ta région. J'ai comme l'impression qu'il y a une énigme. Ah oui, je l'ai même pas vu. Bah vas-y. Bah vas-y. Alors ça va être ouf. Ok, moi j'y vais. Let's go. Ah mais le jeu est beau, le jeu est beau, l'histoire est cool, mais bordel, la base d'un Borderlands, c'est pas juste que le jeu soit beau et cool. Ah putain mais faut faire baisser le pont, c'est un scandale. Le niveau de détail de cette carte est juste ouf, ça a dû leur prendre des plombes à tout cartographier. Oh merde, faut avancer dans la quête pour avancer pour ouvrir le pont. Let's go. Fais trop plaisir. Ouais, je sais pas. Quoi ? Je sais pas si pour le moment t'as une arme à farm en particulier après le nerf du gun. Non, j'ai pas. Pas particulièrement, non. Bah là, en soi, le farm que je devrais faire, c'est qu'il faut que je farm les dés en or. Hein. Parce que même le principe dans le jeu d'avoir mis ce qu'ils appellent le baraka de butin, qui en gros est juste un truc qui fait que plus cette valeur-là est haute, plus tu farmes. Enfin, plus tu peux farmer des trucs. Tu vois, genre c'est... Je sais pas. Tu as fait les nirs ? Non. Il existe des bulles toujours pétées, super intéressant à farm, mais comme tu l'expliquais, le système d'obtention des légendaires, puis celui d'enchance, je trouve ça juste quasi inaccessible certainement. Ouais, mais non, c'est ça. C'est ça. Parce que le endgame, c'est tu farmes une arme, puis tu passes 2 heures... à reroll les enchantements dessus pour avoir le bon enchantement pour être complètement pété. En fait, c'est le problème qu'il y avait avec Borderlands 3. C'est-à-dire que, à la fin, tu farmais plus les légendaires. Tu farmais les enchantements. Et du coup, ça rend le jeu très... bah, ZZZ, quoi. Déjà, farmer les armes, c'est long. Mais en plus, quand tu dois farmer l'arme plus le bon enchantement que tu dois avoir dessus, bah, c'est chiant. Et le problème des jeux Borderlands, c'est que maintenant, ça se repose principalement sur... Ah, est-ce que tu as le bon enchantement ? Non, bah ton arme est à chier. Le pont est presque abaissé. Quelle trouille !
C'est ça qui est, qui est con. C'est que maintenant tu farmes plus, tu joues plus à Borderlands pour farmer des armes, tu joues à Borderlands pour farmer des enchantements sur des armes. En gros, les enchantements, pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ont pas vu, c'est ça, genre. Voilà. Et par exemple, là, il y a marqué enchantement quand vous tuez un ennemi avec une arme à feu, qu'on fait 20% de dégâts de zone et plus 1% de rayon des sorts. Et en fait, Borderlands 3, le problème, c'est que bah, les armes reposaient sur ça. Et dans le jeu, c'est pareil. Dans le jeu, c'est pareil, les armes reposent sur ça. Faut que, si t'as pas les enchantements qui font que t'as plus 20% de dégâts des armes sur les 4 armes, plus sur l'épée, plus sur le surtout, tu seras à chier. Là est le problème pour moi. Là est le problème pour moi. C'est pour ça que Borderlands 2 restera à jamais dans les veines. Parce que en fait, c'était moins compliqué dans le 2. Tu devais fermer l'arme avec les bonnes parties dessus, mais c'était pas si dur en vrai. J'en préfère un système comme le 2. Bah ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est surtout que le 2 est pas aussi dur en fait à comprendre. Et c'est pas désagréable à faire. Les vrais dragons ont pas de bec. Et encore moins de bons becs. Ah bon ? Eh ben voilà une preuve de plus que Vorkanar. Ça se trouve, il sert de test et le 4 pourrait plus ressembler aux deux. Bah, le problème, c'est que maintenant qu'ils sont partis dans cette histoire, dans ce système avec les enchantements et tout, ça va être compliqué. Hein. Puis bon, vu qu'on a dû attendre 7 ans pour avoir Borderlands 3, m'étonnerait pas qu'on attende tout autant pour avoir Borderlands 4, quoi. Bah c'est même pas une histoire qu'on comprend rien, c'est que bah tu veux une bonne arme, bah faut la farmer. Merde, pardon. Faut la farmer, mais pas que. Il faut également que t'aies la bonne arme avec le bon enchantement dessus. J'ai envie de crever quand ma caméra fait ça. Voilà, pardon. C'est juste que c'est devenu trop compliqué pour rien quoi. Donc encore une fois, c'est dommage. C'est dommage, mais malheureusement, Borderlands est devenu comme ça. Après, c'est pas des mauvais jeux, encore une fois. C'est juste que... Quand t'aimes bien faire le bon gros farming bien violent, bah, tu te fais chier. Le farming est pas agréable, en fait. C'est surtout ça. C'est moi que j'ai, bien sûr. Bien sûr que j'ai pris le t-shirt. Il est tellement stylé, il est vraiment stylé en plus cette année. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. Merde. Et ouais, et ce jeu, je sais pas, il y a... Ce jeu manque de légendaire vraiment, vraiment intéressant. Alors que juste dans le 2... Dans le 2, t'avais les meilleures armes, c'était les armes que t'avais de quête. C'était vraiment pas... qui était vraiment agréable à faire en plus. Ouais, bon, ouais. Je sais pas. Ah ouais, c'était sûrement la nostalgie qui parle aussi, hein, mais... C'est bon. Ah. Ah mais, non mais, l'histoire de jeu est très bien, franchement l'histoire de jeu est cool. Mais le problème, attendez. Trigger cette histoire. Je crois que c'est bon pour ça. Oui bah écoute, j'étais down. L'histoire est très très bien. Mais c'est juste que bah l'histoire est bien. Quand t'as fait l'histoire, bah voilà. En fait, le endgame est pas intéressant. Parce que le endgame c'est ce qu'ils appellent la chambre du chaos, c'est-à-dire faire la même chose en boucle. La même chose en boucle, bah jusqu'à temps que tu te fasses chier en fait. Ouais, le concept est intéressant les 2-3 premières fois. Puis quand tu comprends que tu dois faire que ça pour avancer et pour faire le endgame en entier, bah c'est chiant.
Le fait de devoir monter... Ah mais bon, commence à m'emmerder, il parle trop. Bon, commence à m'emmerder vraiment. Quand tu comprends que tu dois farmer 20 fois de suite la même chose pour monter KO20... Bon, on se fait chier quoi. Déjà que dans le 2... Pour le endgame, monter le niveau de surpuissance déjà jusqu'à 8 et 10, c'était chiant. Bah là, imagine-toi que c'est jusqu'à 20. Au bout d'un moment, on s'emmerde. Au bout d'un moment, c'est, on prend plus de plaisir. Il me fait le 100% des Ghost Wars. Bah t'inquiète pas, il est fait aussi. Hein. Il est fait aussi. Comment ça, je sens la pisse? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Le jeu avec Kirby. Moi, il m'intéresse pas trop, Kirby, en vrai. J'avoue qu'il me donne pas trop envie, Kirby, pardon. Les Ghost Wars, ça renvoie au dessus, tu vois. Ouais, ça. Faut que je commence à les mettre. Aïe. Ah. Voilà. Putain, au secours. J'en peux plus. Il veut même augmenter le niveau de KO. Ouais, non, mais putain, please. C'est ultra, c'est vraiment pas intéressant leur système pour le KO en plus, c'est vraiment pas intéressant. Au moins dans le 2, tu savais que c'était une épreuve de force, donc tu pouvais te préparer et tout pour venir avec le meilleur stuff pour tenir le truc. Là, bah vu que t'as 20 niveaux à faire, tu vas pas t'amuser à changer 20 fois ton stuff quoi. C'est chiant. Au bout d'un moment. C'est assez long ça. J'arrive à avoir une arme... Tirons en rafale. En rafale, en... En boucle. Il y a du endgame vraiment sympathique avec difficulté. Ah bah non, mais en vrai c'est pas un mauvais jeu. Hein. C'est juste que moi j'ai pas forcément envie d'y jouer. C'est tout. T'as l'ASB. Si tu veux des bons buts, tant que t'es pas KO 20, tu peux rien avoir. Heureusement c'est un peu plus rapide que les deux. Ouais mais même c'est... Et encore, je trouve que t'es pas tant récompensé que ça, monter un KO20. Hein. T'es pas tant récompensé que ça en vrai. Hein. Ouais, bon. Ah, perso, je me suis pas senti récompensé. Enfin, je suis pas récompensé quand je vois que je grimpe 2 KO là. Ouais, bon. Moi, vraiment, ce qui me rend juste triste, c'est vraiment de me dire bah, que là, je vais terminer le jeu. Et puis après, bah voilà. J'aurais pas forcément cette envie de refaire un perso ou de rejouer au jeu, en fait. C'est ça qui est triste. Pour un jeu comme Borderlands, le but, c'est d'y jouer 800 heures sans se faire chier. C'est quand même dingue. C'est ça qui est triste. Ah ouais, c'est triste. Bah oui. Comme quand toi t'essaies d'ouvrir le frigo. C'est triste. Ouais. Un petit dé par ici. Bah vu où c'est, oui. Hein. Non. Allô. Y'a pas de dé. Bah alors. Quel enfer ce chat. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà eu un petit peu ce sentiment sur le 3, mais ça restait quand même dans la vibe Borderlands où tu pouvais quand même farmer et même t'avais l'ambiance Borderlands. Là il y a l'ambiance Borderlands, mais t'as, je sais pas, il manque un truc. Là, il manque un truc quand même.
Ouais, t'as les boss cachés, mais bon. Les boss cachés sont pas très intéressants, surtout que t'y gagnes pas grand chose à les faire. Là, y'a ça aussi. Même s'il y a ça, genre tu... Je sais pas. Ça marche pas là. C'est l'abondance avec le 3 et sans comprendre tout ce dont vous parlez, dès que j'ai débloqué les niveaux de chaos, là, ma partie ne ressemblait plus à rien. Ouais, ça peut se comprendre. Après, c'est ça, c'est que les gens qui ont commencé avec Borderlands 3 comprennent pas forcément de quoi on parle. Mais c'est dans un sens où vraiment... Quand t'as joué au 2 et que t'es parti, et tu pars sur le 3, tu te dis, ah ouais, il manque un truc quoi. Tu dis pas que le jeu est mauvais parce que le jeu est pas mauvais. Tu te dis, ah... Tu sens qu'il manque un truc quoi. C'est juste ça, tu sens qu'il manque un truc. Admirez mon attirail. Il résiste au froid. Et c'est un squelette. Incroyable. Hop là. C'est pas un Borderlands pur nom, il y a des légers manques. Ouais, mais même ça c'est con. Parce, même si c'est pas un Borderlands pure souche. Enfin si, en soi c'est un Borderlands pure souche, mais c'est juste qu'il a pas le nom Borderlands. Bah, déjà il y a plein de gens qui savaient pas que c'était de la licence Borderlands, ce jeu. Tu sais, il y a plein de gens qui sont venus sur les lives en mode « Ce jeu, il ressemble bizarrement à Borderlands, tu vois. » Tu leur dis « Bah c'est Borderlands. » C'est en mode « Bah oui, mais c'est bizarre. » Mais après, bon, ils l'ont vendu comme étant un vrai jeu Borderlands, tu vois. Ils l'ont pas sorti en mode « Les gars, on fait un petit jeu. » Là, ils étaient en mode « Vous avez aimé le DLC de Borderlands 2 ? Et ben, on vous fait un jeu entier sur ce DLC. Vous allez passer un putain de moment, les gars. Let's go, en fait. » Ouais. Ouais. Pas d'arche, donc pas de mode chasseur de l'arche. Ouais, bah oui. Bah oui, y'a pas de mode chasseur de l'arche. Oula. Oula. Mais du coup, maintenant, les voix sont trop basses. On n'entend plus rien. Mais ouais. Ouais, ouais. Mais comme dit, le truc, c'est que cette rejouabilité des Borderlands où tu refais l'histoire 2-3 fois, ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais quand t'as aimé Borderlands et que t'as déjà joué à Borderlands, tu sais très bien que c'est... Tu sais que t'es obligé d'y passer. Parce que merde, c'est Borderlands quoi. Tu sais que tu vas devoir refaire le jeu plusieurs fois parce que bah, c'est comme ça que t'avances. Qu'il n'y a pas ça dans le jeu, bah c'est... Bah ça fait que tu fais le jeu une fois et voilà, point. C'est con. C'est con. Pour avoir fait l'histoire de Borderlands 2 plusieurs fois, pourrait dire que je me lasse, hein, et pourtant non. Parce que refaire le jeu avec ton niveau actuel et tes skills actuels, bah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais, ça débloque une nouvelle façon de faire. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, bah dans ce jeu, bah voilà. Quand tu t'ennuies au bout de 20 heures de jeu sur un Borderlands, c'est pas normal, quoi. C'est surtout ça que je veux dire, quoi. Mais bon. Ça se trouve, le jeu sera meilleur dans quelques temps avec les DLC et tout, hein, c'est... Bon, dans ce moment, on disait pareil au début, hein. Quand je l'ai fait au début, j'étais en mode, ouais, bah j'ai plus envie d'y jouer. Et au final, après quelques temps, après un ou deux ans, après avoir attendu tous les DLC, toutes les updates et tout, le jeu était bien plus jouable et bien plus agréable. Mais là, comme dit, c'est principalement que... En fait, tu fais le jeu une fois, quoi. Et point. L'histoire, je l'ai fait une fois, pas vraiment envie d'en refaire une deuxième fois, quoi. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais c'est... Malheureusement, c'est important. Enfin, malheureusement, non, mais... Ça reste important.
Jamais je me suis lassé. Bah ouais. C'est ça. Ah ouais, je me dis que ça se trouve, c'est parce que mes envies de jeux vidéo ont changé, tu vois, depuis le temps. Ça se trouve, mes envies de jeux vidéo ont changé et j'arrive plus à prendre autant de plaisir qu'avant, mais je sais pas. Ah ouais, pour ça, faudrait que je refasse Borderlands 2 et que je vois. Ce serait peut-être plus simple. C'est peut-être le plus simple pour avoir la réponse. Molarch l'oracle. Peut-être que je vois peut-être pour me respect, hein. Ça se trouve, j'ai peut-être, peut-être plus intérêt à changer certains skills. Eh bah voilà, t'as tué tes potes. Eh bah voilà. L'histoire aussi dans le 2 était tellement mythique par rapport aux autres. Oui, c'est vrai. Non mais elle était bien, mais surtout qu'elle était pas... Tu t'ennuyais pas en la refaisant 800 fois, quoi. Tu la connaissais par cœur au bout d'un moment, certes, mais elle était pas lassante. Par exemple, l'histoire de Borderlands 3, moi, bah, au bout d'un moment, j'en avais marre. Et c'est là que tu dis que c'est pas normal. J'avais encore jamais tué personne. Je me dégoûte. Même si c'était pour une cause juste, je recommencerais pour rien au monde. Je suis désolée, mais tu vas devoir affronter Vorkanar sans moi. La reine des offrandes est droit devant. Suis-moi. Oui. Allez, Vorkanar, montre-moi qui tu es. En fait... Le feeling que j'ai avec ce jeu, c'est un peu le même feeling que j'ai eu en jouant à Pré-Séquel, à Borderlands Pré-Séquel. C'est que le jeu est cool, mais il manque quelque chose. Tiens, c'est un peu ça. Je vois un peu ce jeu comme Pré-Séquel. Le jeu est pas mauvais à faire, mais il manque quelque chose. Et encore Pré-Séquel, tu... C'était le pur sang Borderlands, quoi. Bon, enfin... Mais comme dit, là on avance, hein, on joue. Hein. Toi qui n'es ni troll ni goblin. Ah, mais on l'a déjà fait ça. Comment oses-tu pénétrer dans mon royaume ? On l'avait déjà fait. Je vais te massacrer, quelque chose de bien. Tu penses pouvoir tuer un dieu ? Oh le flow. Oh les zéro damage. Vu que j'ai tout jeté comme un abruti. Vu que j'ai tout vendu toutes mes armes comme un abruti, j'ai plus grand chose maintenant moi. Enfin comme un abruti non, j'ai juste fait de la place. Paf. J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon, je crois. Ouais, c'est ça. Alors... Boop. Les bombes ! Utilise les bombes ! Où ça ? Là ? Tire. Boop ! Arrête ça, sale petite fouine des cervelés ! Tu vas tout gâcher ! Bah ouais. Vous voyez mes camarades ? Ah, c'est déjà fini ? Ouais. Tu crois que j'ai mérité mon piercing de nez ? Ne bouge pas. Elle est où ? Ah. Ramasser l'engrenage. Oui. Ça fera le temps ? Oh, dans le pif ! T'as tout déchiré, ma grande. Je peux te dire que t'as bien mérité. Putain, mais on n'entend plus rien, mais c'est un enfer. Comme ça, peut-être ? Ce piercing de nez. Ah, c'est mieux. Que voici.
Avec un toit dans le pif. Ce piercing de nez est absolument splendide. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans ton aide. Tu le mérites sans doute plus que moi. D'accord. Je prends. Ouais, merci, ouais. C'est bon ? Au nom de tous les gobelins, je te remercie. Nous te sommes à jamais reconnaissants. À présent, je dois informer le conseil des BCBG de notre victoire éclatante. Il reste beaucoup à faire. Du coup, on a récupéré quoi ? On a récupéré un... Ah ouais. Le rouage de l'héroïsme. Plus 1% sur tous les dégâts infligés. Eh bien, quand vous effectuez un pilonnage au sol, projette une boule de feu à tête chercheuse vers l'avant. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Simple et efficace, je dirais. Ok. Ça, c'est fait. Alors par contre, je me rappelle qu'il y avait un dé sur une maison au bord de la colline, sachant que... c'est pas là, c'est un peu plus loin. Sachant qu'on peut y aller à partir de là, on y va. Alors, il me reste quoi à faire du coup ici ? Progression. Il manque deux feuilles de poésie. Ok. Il manque deux feuilles de poésie et 7 dés. Oh putain. Ok. Ça fait beaucoup quand même. C'est bon, je t'accolo quoi. C'est beaucoup quand même. On va essayer de trouver ça. Il y a deux feuilles de poésie, j'en ai pas trouvé une seule. Le conseil des BCBG me pense trop faible. Je vais leur montrer, moi. J'ai effectué quelques missions de reconnaissance et j'ai un plan. Ça devrait marcher, mais je peux pas y arriver seul. Nom d'un gob. J'espère vraiment qu'un de ces fameux héros pointera le bout de son nez au moment précis où je voudrais mettre mon plan à exécution. Et ben, fun fact, c'est ce qui s'est passé. Bon, on m'emmerde. Est-ce que j'ai trouvé des feuilles de poésie, moi ? Où est-ce que j'ai trouvé des feuilles de poésie et 7 dés ? Le problème, c'est que j'ai fait toute la zone, il me reste cette zone-là, mais ça, c'est une quête que je dois faire encore. Ah, il y a là. Comment j'y vais, là ? Je viens de t'épargner toute une vie de malaise. Me remercie pas. On va voir. C'est le Ned Black. Comment valider toujours ouvrir le frigo? Oui, Eva. Eva, elle m'emmerde toujours autant. Ah, par là, comme ça? D'accord. Donc via... Ça, normalement... Je me foutre là-dessus. Quoi de boire, quoi de faire, si je m'en fais, va en enfer. Une feuille de poésie. Ah, une feuille de poésie. Tom le troll était un vaurien, d'une vulgarité sans nom. À la vue de ce moins que rien, les passants s'écriaient crénon. Il vous plaît le crénon. Vous pourrez écouter la suite à la taverne de Savoie-Ardent. D'accord. Hop, le dé que je voulais chercher en plus. Oui. Hop. Bonjour. Je vous dérange peut-être. C'est le Victor Fett. Et celui de la perfection. Ouais, toujours. Hein. La perfection, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais... Si ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'elle est toujours autant casse-couille ? Oui, oui, ça change pas. Ça ne change pas, malheureusement. Mais lui, il sert à quoi ? Il est là, il en branle pas une ? Yo ? Mon nom est Bench. Ah, j'avais une quête à faire ici, d'accord. Finalement, si. Badard, le badan. Ah bah. Je suis sûr que tu peux nous aider. Bah, dis-moi. Bah, l'idéal pour ce type. Attends de voir sa gueule après. Il va être méconnaissable. Non,
Ce village a vu suffisamment de violence pour toute une vie. On veut régler ça de manière pacifique. Fais-le simplement déguerpir. Ça tombe bien, non-violence, c'est mon deuxième prénom. Enfin, ça le serait si j'en avais un. Yes. J'aurais un premier de recette pour ça. Bah non. Bah non, spoiler non. Bon, ça va là, elle est calme. Donc l'idée, c'est de pas agresser le gars, c'est bien ça? Voilà. T'inquiète, je suis sûre que ça va être hyper fastoche. Vu que vous êtes des experts en hyper fastoche. Y'a pas plus zen que vous. Oh, la délicatesse, je sais faire. Je l'ai mis sur mon CV. Oh, j'allais faire ça. J'adore quand tu crois vraiment à tes bobards. C'est trop mignon. Yes. On sait jamais, on peut peut-être avoir un légendaire. L'espoir, ouais, l'espoir est grand, je sais. Et t'imagines que pour avoir un légendaire, pour farmer un légendaire précis, il faut faire ça. Plusieurs fois en boucle. Normalement, on s'emmerde vite, quoi. Bam! La prochaine fois, choisis une cible moins corde. On va se marrer! Boop. M'a fait peur. Règle d'or, le style d'abord, l'efficacité ensuite. Oh putain, les dégâts que je lui ai mis. Oh, pas de légendaire. Fais chier. Le Fear Not of the Virtua ou so. Ok, Mwite. Fais voir. De nombreux trésors m'attendent là, quelque part. Les gars sont pas dégueu. Oh. Oh, par contre ça. Ça, c'est moi que ça me plaise. Je vais regarder vite fait là, au fond s'il y a pas... S'il y a pas un truc à ramasser. Vu qu'il y a tout cet espace en hauteur là. Non. C'est dommage. Et qui va faire vroom vroom sur les petites routes d'Alsace-Lorraine dans un mois. Oh nice. Bravo Raph. Ah ouais là t'as eu... Après t'as eu le code là. Donc là il te reste encore toute la tout le truc de toute la mer à faire. Oh, ça fait des bons dégâts hein. Ça fait des bons dégâts s'il bouge pas. Spoiler, les ennemis bougent. Non mais en soi c'est pas mauvais hein. C'est bon, c'est juste que... C'est juste que bon. Ça manque d'un truc. Cut, let's go. Ouais, les dégâts sont bien. Les dégâts sont bien. Bonjour. C'est toi le sorcier maléfique qui perd cliché. C'est exact. Je m'enorgueille de trouver de nouvelles façons de terroriser les andouilles de ce village. Et avec ce parchemin, pas piqué des vers, je vais rouvrir une tombe ancienne qui renferme une arme plus horrifique que tout ce que tu peux imaginer. Quand je pense que j'ai promis de pas buter ce guignol, pas le choix, je vais devoir tenter l'autre option. Intimider ou séduire? Ah, oh là, tu es beaucoup plus sexy que ce que j'imaginais. Je me sens tout chose, j'ai l'impression que toi aussi. Et si on allait faire un tour? Bon sang, ça
soit ma plastique avantageuse. Bien sûr. Bien sûr. J'ai l'air de vouloir une aventure. Les sorciers maléfiques n'ont pas d'aventure. Va-t'en! Tu ne m'attraperas jamais! Écoute, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus. L'attraper. Alors, ne me force pas à rendre les choses étranges à nouveau. Pitié! Cesse d'essayer de me séduire. Cela m'a mis très mal à l'aise. Si tu me laisses partir, je te donne ceci. Ça ouvrira une grotte ancienne. Avec à l'intérieur. Ah. Une arme. Ah. Là, tu sais me parler, mon salaud. Pardon. Oui, voilà. On a parlé, c'était super. On est potes maintenant. Il m'a même filé son parchemin fétiche. Un parchemin d'ouverture de caverne abritant une arme. Une arme, tu dis? Tu as clairement les qualités nécessaires pour résoudre... Eh bien, le jeu. Il est sympa, mais... Mais pas à la hauteur d'un Borderlands. Pas à la hauteur d'être un Borderlands. Donc, c'était ça notre meilleure tentative de séduction? Quoi? Non, c'est Wolfog. C'est tout. Je suis un peu rouillé. On fera mieux la prochaine fois. J'ai vraiment trop hâte de vous y voir, bande de nouilles. Non mais je m'en vais, moi. Oh, attends, il y a des caisses ici. Mais oh, la poésie. Let's go. C'est une feuille de poésie. Oh oui. Mais ah bah parfait. Des squelettes par milliers. Que sont donc devenus ces warps si familiers? J'ai encore des rimes en stock. Il suffit de parler au poète de la taverne de Sabo Ardent. Oh nice. On a trouvé la poésie. Il y a un dans ce cadre prévu. Non. En vrai là, s'ils veulent faire un truc bien, ils font un remaster de Borderlands 2 sans toucher au jeu de base quoi. Et là on est bien. Bah il joue hein. Salut! J'ai un laissé-passer gobelin. Je dois absolument entrer dans cette caverne. Pas question! Je me moque de savoir qui t'envoie. Le risque est trop grand. On en a marre de la violence. On cache quelque chose, sale fasciste. Fasciste? Ce qu'il y a là-dedans. Si exploser sa petite gueule, c'est l'option D, faut que je me concentre sur les options A, B ou C. Non, niveau farming, c'est pas... Non, niveau humour et niveau gameplay, c'est un Borderlands. Mais niveau farming, ce qui est une grosse part pour beaucoup de monde sur ce jeu, c'est très décevant. Excusez-moi, j'ai encore un peu le nez qui coule. Hein. En fait, dis-toi que là, j'ai juste envie de faire le 100% du jeu en faisant toutes les quêtes. Mais bon. Pas plus quoi. Bam! Liberté! Mort aux fascistes! Camarades mercenaires! Bienvenue! Mort aux fascistes! Mort aux fascistes! Salut Raza. Faut que je passe. Bien joué, la bleusaille. Ce gobelin nous aurait jamais laissé passer si on l'avait dragué. On n'était pas assez à son goût. Bravo, Valoche. Ça reste quoi à faire? Quelques quêtes secondaires et dans surtout récupérer tout ce qu'il y a sur toutes les cartes pour faire le 100%. Ah, bon niveau dégâts, j'ai vu mieux. Hein. Ouais. Il y a rien ici. Salut Odin. Il y a rien de perdre du poids. Tu m'étonnes. Ça il a pas tort pour le coup.
Devenir un squelette, y'a pas mieux pour perdre du poids. Non! C'est bon. C'est pas un dé que je vois briller là? Non, c'est des bougies. Quel est l'intérêt d'aller tout là-haut? Un dé doré, j'espère. Oui! Très bien. J'en ai où il y avait le dé? Non, c'est faux. Tu mens. Tu mens! C'est du mensonge! Là, y'a pas légendaire! Regarde, y'a pas légendaire! Y'a un violet, mais y'a pas légendaire! Regarde! Que dalle! C'est de la thune! Bon, t'inquiète pas, les légendaires, je sais quand ils pop, hein, ça. Mais! Ça va, Odin, ça va. Ça va. Salut Shizada. Allez zou, on passe, on tabasse. Voilà. Trouver la caverne, j'ai trouvé la caverne. Tu m'aimes pas, mais qu'on en finisse. Je veux cette arme. Tout le monde finit par mourir. Aperta dilatato foraminis. Bon, je crois qu'on peut oublier la déduction. Je peux lancer mon sort. Boop. 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 J'arrive pas à viser. Ah, là c'est un légendaire. Là c'est un légendaire. Et c'est encore une putain d'arme de corps à corps, j'en peux plus hein. Je n'en peux plus hein. Donnez-moi des vraies armes par pitié. J'en démarre. Le crâne. Voilà. Comment oses-tu me tirer de mon sommeil pluricentenaire? Je suis Brunfeld. Gardien du trou obscur. Ah, le trou obscur, bien sûr. Premier de son nom, dernier de mon espèce, avec entre 1 et 4 livres sur le feu simultané. Eh ben. Je me suis tenu à cet endroit et gardé cette caverne pendant un temps immémorial. D'accord. Sauf que je m'en souviens très bien. Mais ça pourrait ressembler davantage à une malédiction qu'à une bénédiction. Imagine un peu si tu pouvais te souvenir de toutes les choses gênantes que tu as dites ou faites, et que par-dessus le marché, tu étais plus vieux que le soleil. Ça devient pesant au bout d'un moment. Mais... Salut Kelly, ça devrait pas tarder, sûrement ce week-end. Là je mets les dernières VOD de Holy Cube que j'ai, et puis ensuite on... J'ai un beau stock quand même, de côté. Tu m'emmerdes. Ouais, tu m'emmerdes. Voilà, tu m'emmerdes. Ouais, bah oui. Et on se fait chier. C'est le moment jamais de rafler ce qui se trouve ici. Avant de dégager. L'artefact. Boop. L'arme est entre vos mains. Maintenant, tirez-vous d'ici en vitesse. Je dirais qu'on n'a pas démérité, question non-violence. Ouais, complètement. C'est vrai. Mais j'ai aussi appris un truc aujourd'hui. La violence est la réponse à beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. Comme tu dis, oui. Rapportons l'artefact. Il va regretter de t'être montré. Dégagez son cadavre. Hop là. C'est une balle dans la tête pour la... Ouais bah allez, je voulais essayer. Ah ouais, c'était une belle tirade hein. Ça aucun débat hein. Destruction.
Ah bah il fascisse. Oui. Ah, ok. Ok, j'ai un tas de trucs, mais c'est loin d'être suffisant. Y'a un troll des montagnes qui vient de pop devant moi, aucun problème. Ce temps de recharge a duré 3 plombs, c'est voilà. Ah, c'est gentil, Kelly. C'est gentil, au moins mes rodifs servent à quelque chose. Tu as récupéré l'arme ? Nous pouvons retourner à nos existences paisibles ? Pas de soucis. Bon, y'a quand même eu le vieux dieu là, plus vieux que le soleil que j'ai tué. J'ai pas eu le choix. Il est décevant d'entendre que tu as eu recours à la violence, mais je te suis tout de même reconnaissante d'avoir fait un effort. Garde cette maudite arme. Arrête. Et bon vent. Alors, oh non, c'est une arme de corps à corps. Oh non, mais moi je pensais que c'était une arme de pam-pam-boum. Oh non, c'était... Oh, c'est décevant. La Trigger Goblin Bane of the Stunner. Les attaques corps à corps infligent plus 100% de dégâts aux ennemis lorsque les PV sont à plus de 95%. D'accord, bah c'est à chier. Voilà, non mais faut le dire, hein, faut être honnête, c'est à chier. Il me reste combien de dés à trouver? Il m'en reste 4. Bordel. Oh la vache. Il me reste 4 dés à trouver là-dedans, j'ai tellement pas envie de les chercher. Oh, ça va être trop long de faire tous les recoins. Ça va être si long de faire tous les recoins, bordel. On va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu. Oui, c'est sûr que les rodifs sont plus simples à regarder, c'est sûr. C'est vrai. Je regarde les grandes lignes. Il y avait un gendarme dans une caisse random. Et on joue à Diablo ou à Borderlands? Ah ouais. Putain, avec cette voix. Avec cette voix, ça rend tellement bizarre. Ouais, le truc, c'est que mes VOD. Le problème que j'ai avec mes VOD. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que moi, ça me dérange parce que je suis con, mais. C'est que c'est juste des uploads en marquant VOD tel jeu épisode tel là. C'est pas très aguicheur. C'est pas très aguicheur comme truc. Et bon, j'ai la flemme de regarder chaque VOD et de me dire ah il faut que je trouve un titre. Flemme. Ça ferait trop de travail. Trop de travail que j'ai pas envie de faire. Bon, forcément. C'est pas très. C'est pas très, très aguicheur on va dire les VOD comme ça. Mais bon. Au moins elles sont dispo pour ceux qui veulent voir des trucs. Y a pas de honte à perdre face au meilleur. Salut Diego. Je trouve ça bien mais j'ai pas testé les Borderlands. Bah écoute, à choisir je te dirais que vaut mieux que tu testes les Borderlands avant. De jouer à ce jeu. Enfin après tu peux jouer à ce jeu là aussi mais... Mais les bandes sont bien mieux que ce jeu, on va dire. Ah oui, c'est ça, Kelly. C'est ça. C'est du travail que j'ai pas forcément envie de faire. Y'a quoi que j'ai pas regardé ici? Y'a toute cette zone là. Y'a toute cette zone que j'ai pas fait. Il faut que je remonte, du coup. Hein? Une minute de paix attend. Hein? Non? Non, non, c'est pas nécessaire. Dévastation fongique. Mais après, c'est cool. Par contre, par exemple, un truc tout con, mais j'ai regardé récemment les VOD de Fallout, elles ont fait pas mal de vues en vrai pour moi. J'étais en mode what the fuck. Je sais pas pourquoi Fallout ça fait autant que ça. Ah, oh oui, nice. Ça, c'est un dé qui porte chance. Ah, bah ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir en vrai. En plus c'est des VOD de 8h, c'est un format bien vénère.
Bah moi c'est mieux, maintenant je fais des vedettes de 2 heures quoi. Ah bah c'est vrai qu'ils ont, ils ont bien repris le truc de Borderlands, hein, enfin de Borderlands 3 de Klaus, ça c'est sûr. Dans ce jeu. De toute façon Borderlands 2 est trop vieux maintenant qu'il est là aussi, ils vont pas reprendre le système de Borderlands 2 hein. Ça c'est pas possible hein. Ça faut, faut se le dire malheureusement, ils reprendront jamais ça hein. Les frères, les coffres, toujours, toujours autant à chier hein. C'est bon. J'ai essayé de mettre les rediff en 2K sur YouTube. Bah c'est que je les enregistre en 1080 de base. C'est que de base je fais du, enfin je fais du 1080 mes streams. C'est pas que j'ai pas essayé, c'est que je n'enregistre pas mes VOD en 2K, donc forcément, en 2K ou en 4K, donc forcément ça... Après faudrait que j'essaye d'augmenter la qualité, mais bon. Faudrait tester. Je suis pas allé là-haut ? Je suis pas allé là-haut ! Ah ouais. Mais si je suis allé là-haut, il y avait rien. Oh putain, sérieusement. Ah le timing. En soi non Kilos, parce que Pre-Sequel n'a pas été fait par les mêmes développeurs. Ça a été fait par 2K, mais enfin ça a été fait par un truc externe. C'était pas fait par les développeurs de base. Donc non, on pouvait pas forcément savoir. Ah je sais qu'il est, je sais bien. Ah, déjà au moins le fait que je recorde en interne, déjà ça aide beaucoup pour, le, pour la qualité. Hein. Allez, il m'en reste plus qu'un à trouver. La chance nous sourit. Qu'est-ce qu'il y a qui est encore un peu violet dans la zone? Oh la vache, le dernier il va être trop dur à trouver. Il y a ça en soi. Ah, le dernier va être dur à trouver. Hein. Faudrait que j'aille voir là, en soi. Wouh! T'as appris ça où? Touquet Australie, ouais, c'est ça. C'est exactement. De toute façon le problème c'est que le Borderlands 2 a tellement été un pilier et une masterclass que forcément c'est dur de, d'aller derrière tu vois, c'est... On peut pas leur en vouloir pour ça hein, c'est... On peut pas leur en vouloir d'avoir fait un jeu incroyable. Ce serait con. Ce serait con quand même. Il faut que je grimpe. C'est un peu comme les Far Cry hein. Far Cry, depuis Far Cry 3, il n'y a pas eu de masterclass hein. Les jeux étaient sympas mais ça n'a jamais été à la hauteur de la masterclass qui a été Far Cry 3 hein. Tellement mort.
Ah, il y avait un dé ici, donc il n'y en a pas à en avoir d'autres. What? Ah, c'est pas vraiment possible qu'il y en ait un ici. Ah, oh, il manque un dé, où est-ce qu'il est? Ah, l'enfer! Ah là! Je peux, grimper là-haut? Ça m'étonnerait. C'est psychologie de Far Cry 3, l'écriture qu'il y a derrière, le voice acteur de Vast, tous ces... Bah oui, bien sûr! Mais justement, ça c'est difficile de... C'est difficile de battre un truc comme ça. C'est, ça a été pareil avec Borderlands 2, hein. Ça a été une masterclass et c'est difficile de passer après une masterclass. Truc, mais c'est loin d'être suffisant. Puis c'est comme tous les jeux, ça veut proposer plus, plutôt que de se reposer sur les lauriers, tu vois. Là, ils ont essayé d'ajouter un nouveau truc avec le 3, avec l'histoire des enchantements sur les armes, bah voilà. C'est non, ils auraient pas dû. Et ça, bon, voilà, c'est... Tu te prépares pas, ça, hein. Après, ça se trouve, le dé n'est pas ici, hein. Parce que je cherche là comme si c'était acquis qu'il était par là, mais... Ça se trouve, le dé, il est pas du tout là, hein. Quel enfer. Vérifierai pas par ici. Bon, j'aime beaucoup la musique d'ici. La musique du Mont Jabot est vraiment cool. Hein. J'ai pissé sur son biscuit, c'est ça qu'il a dit? Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais faire. Je voulais pisser sur son biscuit. Oui, là, qui ne tente rien à rien, mais... Le problème, c'est que maintenant, ils ont ce système et ils se reposent sur ce système. Du coup, c'est dommage. Parce que le système est pas vraiment sympa. Bon, enfin... Quand on est opportuniste, toute carte est une carte au trésor. Après... Je dis ça, mais c'est surtout les puristes de Borderlands qui disent ça, parce que les gens qui ont découvert avec le 3, ils sont en mode, bah, le jeu est cool. Et les gens n'ont pas forcément envie de rejouer aux anciens jeux, tu vois, c'est... Si la licence t'intrigue, pourquoi pas, mais les gens sont pas forcément... C'est pas forcément, tiens, j'ai envie de jouer aux anciens jeux pour voir ce qui se passe, et se dire, putain, finalement, le 2 était bien mieux. Y'en a pas tant que ça, quoi. Là, il y a le souci. Ah bah ça, après, Killhouse, c'est malheureusement... Hein, Faut rien y faire, ça, hein. Là-dedans... Non, là-dedans j'avais récupéré le dé, donc ça peut pas être là. Bon, je vais pas m'amuser à faire 100% de la carte gauche-droite, hein, pour trouver. Hein. Si on l'ouvre, on le trouve pas. Il manquera un dé et point. Ce sera du détail qu'on fera plus tard. J'ai senti ton odeur à des kilomètres. Oh, j'ai ton odeur à des kilomètres. Ah ouais, il y a un monde où le dé il est dans la première mine. Il y a un monde où c'est là-dedans. Ou alors ça peut être par là aussi. Non, ici il y avait le sous-sol, il y avait déjà le dé à l'intérieur, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Si ça c'est un bord de colline, d'un bord de montagne, ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais là-dedans, en vrai, c'est pas impossible. Hein. Genre là-bas, là. Bon, regardons dans la mine et si on le trouve pas, bah on le trouve pas. Si on le trouve pas, bah dommage. Ici, ça m'étonnerait, j'avais bien fouillé les maisons et tout, il me semble. Après, quand je dis ça, en général, ils popent devant moi, mais... Salut, œil étoile.
Ici, il n'y a rien. La musique. Hop. On va le trouver, ce dé. Un garde chiourne. Chier. Papalapalapala. Fouillons cette petite mine. C'est où le petit point merde. Là. Du coup c'est pas où ici. Ah, du coup c'est pas du tout ici. Merde. Tu veux une petite croquette? Petite croquette. Comment j'y vais là-bas? Ah là, il y a là aussi, je peux aller voir. Faut juste que je regarde sur la carte les endroits qui sont encore un peu... Ah, quel enfer. C'est pas ici. Ça c'est pas atteignable. Ouais, en soi là il y a certains espaces que j'ai pas fait entièrement. Donc on peut être surpris. On peut être surpris que ça soit là. Salut Zedon. Bah ouais, ça va. Ça va, ça va. Tranquille. Alors, est-ce que ça serait par ici? Mon dieu, dis-moi que oui. Mon dieu, dis-moi que oui, parce que j'ai pas envie de fouiller 800 ans. Putain, mais c'est pas un truc atteignable. Bah ça va pas être ici du coup. Aïe aïe aïe. En même temps les dés dorés c'est un scandale, y'en a trop. Eh ben, dommage. C'est tout ce que j'aurais à dire. Dommage. On va y passer 30 ans pour un dé. On verra plus tard si on veut le chercher à 100%. Après, en soi, il le faut pour le 100%, évidemment. Hein. Mais bon. Là, j'ai envie de passer une demi-heure à chercher juste un dé, quoi. La butte du tombeau détruit. Tac. Il me reste 3 dés à trouver, donc ça va être une map assez rapide. Let's go. Ça, j'aime bien cette petite map. Ça va aller vite, faut juste fouiller les recoins. Mais je suis d'humeur magique. Ça, j'ai des points à mettre. Tac et tac. Voilà. Cherchons les petits dés. Après c'est dommage parce que le Mont Jabot, le problème du Mont Jabot, la map qu'on a fait juste avant, c'est que c'est une map qui est totalement secondaire. C'est-à-dire que t'as aucune histoire principale dedans. Ce que je trouve un peu con. Mais bon après c'est... C'est comme ça. Et surtout qu'elle a vu l'immensité de la map. C'est quelque chose quoi. Après il y a une map que j'ai pas du tout faite, qui est la toute dernière map du jeu, il faudra qu'on fasse. Mais en vrai, vu le temps que je prends, je pense qu'on aura le temps d'en faire jeudi encore. Hein. Là, mon petit champion. On a le temps d'en faire encore jeudi. Hein. La bataille, on s'appelle. N'approche pas, t'es fiant. Boop. C'est vrai qu'en 5 heures, j'aurais peut-être pas le temps de faire grand chose finalement. Boop. Boop. Mais sachant que je dis que je joue que 4 heures, parce que c'est à 20 heures le FFS jeudi. Hein. Car oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un FFS Fall Guys jeudi.
Je sais même pas si tous les gens ont été. Enfin. Tous les gens tirés ont été pris. Faudrait que je regarde le site. Qui a envie de s'amuser? Ah, il y a un monde où c'est pas mal ça. Bon après c'est pas le bon élément, mais il y a un monde où c'est bien. Quoi ? Les 7 fléchés capitales. Pas de dés ici, hein. Ouais, on est d'accord, hein. J'ai un dé. Là, c'est un dé qui porte chance. Ah, bien, fallait bien que... Fallait bien me faire mentir. Hein. Bon, un dé trouvé sur les trois, plus que deux. Par là, je suis pas allé. Donc la logique voudrait que... Enfin... Là. Accroche-toi. La chance nous sourit. Ok. Allez, plus qu'un dé. Vous voyez, c'est parce que Champignon il lâche des énormes caisses que l'autre il veut gerber. Après pas d'humour quoi. Non, pas par là. Ça va. Ok. Est-ce qu'il me reste une zone que j'ai pas fouillée à la fin? Il y a pas de limite de poids de l'inventaire dans ce jeu. Non, parce que ça, du coup, c'est le marécage, donc non. Non, c'est juste que j'ai dû le rater. Ah mais please. T'avais aucune chance. Hop. Ça grimpouille. C'est le niveau max actuellement, 40. Et j'y suis. Et ça s'est fait un peu trop rapidement. C'est la fête. Ah, salut Rayland. Comment ça va? Ça va. Bah le KO 20, non, ça m'intéresse, j'ai la flemme. Ça m'intéresse pas de faire la même chose en boucle pour atteindre le KO 40, vraiment, ça m'intéresse pas. Je préfère rester KO 6 où je suis actuellement, c'est très bien. Ça m'a... Vraiment, je m'ennuie à farmer le KO. Donc, je préfère faire chercher 100%. Et on fera le KO 20 au moment où ce sera intéressant de le faire. Merci JBA pour le 22e mois également. Merci JBA. C'est beaucoup. Ok, là j'ai déjà pris. Qu'est-ce qu'il faut que je fouille pour le dé? Non. Hop. Et bah voilà. Nickel. On
c'est le 100% de cette zone. On peut se barrer. T'as appris ça où ? Oh, en vrai, un petit boss ? Un petit boss, si on peut faire le petit boss ? C'est le boule de neige. Tu peux aller se faire un petit boss, en vrai. Moi, je prends, hein. Moi, je... Des légendaires comme ça, je prends, moi. Aïe. On passe sans tracasse. Magus. What the fuck? Vraiment? Ah bon, je viens de me faire taunter comme ça gratos là? Je viens de me faire taunter parce que j'utilise un arc? Alors là, ça dégoûte. Utilisons des vraies armes parce que depuis tout à l'heure on fait le malin. Elle est où ? Où qu'il est ? Voilà. Mon sort est prêt. Excusez-moi, mais je me fais casser la gueule en boucle là. Je reconnais. Envie de crever. Hop. Là. Allez, au revoir. Mais pas un seul légendaire. Ah, ça dégoûte, pas un seul légendaire. Bon. But du tombeau détruit, c'est bon. On est à 62%, ça augmente. Fraîcheur des sanglots. Allez, boum. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouh là, et donc, il reste beaucoup de violets sur cette carte. Il me reste les runes à faire, il me reste deux perles à trouver, il me reste 9 dés à trouver. Ok. Très bien. Bah commençons au commencement alors. Commençons. Ce temps de recharge a duré 3 plombes, sérieux ? Ah bien cette map. Cette map elle est sympa. Bon. Objectif, fouiller tous les recoins qui sont encore un petit peu ombrageux sur la carte. Pour voir si on n'a pas raté un petit dé ou, bah du coup, poésie. Perle de souvenir. Ou comme là, petit parchemin. Ouais. Et quand j'ai rétorqué, et l'amour dans tout ça, ils m'ont ri au nez. Rira bien qui rira la dernière. J'ai rétorqué sur Fort BNB. Je vais me jeter une sur Fort BNB. Sur Fort BNB. Et attendre qu'un prince charmant vienne me réveiller. J'ai réservé un petit fort sur Fort BNB là. C'est là. Vous m'en direz des nouvelles.
Merci mon Jotaco Loco, merci beaucoup pour le 4ème mois. C'est quoi le premier combat dans le FIAC? Bah quand les gens auront envie de jouer. Et qu'on aura terminé en soi la majorité du FIAC, mais faut qu'on organise des soirées après. Faut qu'on organise des soirées. C'est surtout ça. La prochaine fois, choisis une cible moins coriace hein. Ça en vrai je peux pas y aller je pense. Ça par contre j'aimerais que je grimpe. Comment je grimpe sur ça? Méchant. J'ai l'air d'avoir tout un chemin pour grimper. Ah bah oui c'est vrai qu'il y en a un là. Je fais comment pour grimper là dessus? Oh y'a un coffre ici. Ouais. Ah putain. J'ai glissé chef. Mais ouais faut qu'on organise les soirées Faut qu'on organise les soirées. Ça viendra. Bon. Qu'est-ce que t'as bouffé? Ah oui, des cadavres. Faut que je vienne depuis le haut, hein, je crois. Hein. Il court. Ah, mais, ah merci. T'as tout ça pour ça? Mince. We have no morale. Quoi? We have no morale? Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire. There too jeu. Mushroom in here. Lol. Bah. Des barres de rire. Je sais comment on pourrait chercher celui-là, moi, du coup. On va tenter juste de passer dessus et de le prendre. Hein. Ouais! Putain, mais ça va être trop dur. Mais ça va être trop dur, ça va être trop dur, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Faut que je passe au-dessus, mais je sais pas comment je passe au-dessus. Là? Je passe au-dessus ici? Bonjour! Ah! Ah! Je suis jamais venu ici. Ah! Une perle! Vous avez trouvé une perle. Vous vous souvenez ce qu'il faut faire, hein? Parce que moi, non. Bam! Un démon du désir a encore tenté de me posséder aujourd'hui. Ils essaient sans arrêt de convaincre les sans-mêlés de devenir de vrais démons. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Quelle donne. Ah, légendaire! Enfin, waouh! Le bûcher l'a aplati, mais le reste. Waouh! Je lui ai dit qu'il était mon héros. Oula! Et il a souri. Oula! J'aime quand il sourit. Oula! Je l'ai fini à 100%. Ah non, Palomigo, je l'ai pas fini. On le fait au fur et à mesure, justement. Genre fais demain. Ah non, mais on n'a pas fini. Hein. Il nous reste beaucoup à faire. Hein. Mais c'est l'intérêt. Là, il y a l'intérêt. Ouais. Qu'est-ce que je vois là-bas? C'est des bougies. Des bougies. Ok. Ok. Un petit dé sur le chemin? C'est à chier. Il est à chier ce snipe. Un boulot bien fait, y'a que ça de vrai. Mais pourquoi on me donne des légendaires de merde? Ah non, c'est triste. C'est triste, on me donne des légendaires de merde. Ok, bon, il y a tout ça que je dois fouiller du coup. Il me reste encore une perle à trouver. Il me reste les runes. Qui sont sûrement là, je pense. Et du coup, il me reste 8 dés à trouver. Mais what the fuck, 8? Mais comment il peut m'en rester 8 alors que j'ai qu'une zone à fouiller encore? Il a chié ce snipe. Hein. Mais vraiment, mais. Bordel, si vous faites des légendaires, mais faites en sorte qu'ils soient bien. Au secours. C'est fou quand même. Tiens, vas-y. Go faire l'obélisque. Avec un peu de chance. Attention, on est accompagné.
toute beauté. De toute beauté. Boop. 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 J'ai pas compris pourquoi j'ai pris autant de dégâts d'un coup. Encore une arme de corps à corps, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Donnez-moi des vraies armes, bordel. Oh, et en plus, c'est encore cette arme de con là. C'est encore l'arme pour les mages. Putain, mais j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Le jeu veut pas être gentil avec moi. Il veut pas me donner des armes légendaires. Oh oui. Merci. On a du bol. Oh oui la vache. Le 1, j'avoue qu'on a du bol. Hein. Oh ça dégoûte. On arrache pas cette peau horrible que tu as sur lui. Ça risque de t'impressionner et de te tuer. Oui. Ah je suis mort là. Hein. Là-haut ? J'ai fouillé là-haut ? Apparemment non. Bon, ça me rassure. Ça, c'est un dé qui porte chance. Ah, x2, la tristesse. Ça aurait été un x18, j'aurais dit oui, mais... bon, allons par là. Là pour l'instant de toute façon je fais juste qu'avancer pour voir un petit peu si on croise des dés. Ah on est un peu... Oui. On tourne au village des smurfs. Il en reste des vivants au moins. Village des smoots. Le fameux. Taille du boudin. Bon, je fais pour aller là-haut. Où est-ce que je peux grimper là? Je suppose que je peux m'en servir de ça. Oh! Oh, il est là-haut! Nice! Ça me plaît, ça. Mais comment je... Ah! Eh ben voilà! Ah, les runes! Bien, ça. Alors, pas où faut passer. Je dirais là, déjà. Ouais, c'est ça. Règle d'or, le style d'abord, l'efficacité ensuite. Et de 1. Tac. Ah, du coup, on passe là. Merci. Et de 2. Je me demande quel est le meilleur endroit pour enterrer mon butin. J'ai l'impression d'être un écureuil. Oui, mon grand. Tu es un écureuil. Ça peut te faire plaisir. Et boum! Merci pour l'argent. Je n'étais pas sûr que tu réussirais, mais t'as réussi quand même! Et je te félicite! Comme ça, regarde! Oui, mais y'a pas de dés, Tina! Moi je veux les dés! Ça fera du compost! Oh la punchline! Nom d'une chaude pisse. Alors. Ah bah c'est la zone que j'avais pas fouillée en fait. Ah merde! Ah!
Oh, il y a un dé là. Bah oui, il y a un dé. Bah oui, il y a un dé. Bien sûr qu'il y a un dé. On commence à m'emmerder à dire que je sens la pisse. Je suis un geek au bout d'un moment, pas. Oh. On se lave pas, certes, mais au moins on se pisse pas dessus quoi. Bon, bah du coup ça c'est bon. Sûrement raté un dé, bah c'est pas grave. Il me reste une perle à trouver. Une de mes perles est dans le coin. Bah je l'ai trouvé. je l'ai trouvé. Bah il me reste plus que les dés. On se la fait, on s'allie pas non plus, bien sûr. Ah bah bien sûr, bah c'est un cycle après, hein. C'est voilà. Hein. Chevaux, calèches, enclumes, je l'ai même soulevé lui une fois. Mais une wyverne l'a emportée et j'ai mis un temps fou à la faire revenir avec de la viande de skag. Après, faites ce que vous voulez, mais on n'est pas. Je t'observe depuis les branchages. En ce moment même, je t'écoute, écoutez. Je ne suis pas perverse, juste curieuse. Hein? J'écoute, jour et nuit. Oh, ne fais pas ça. Ça me met mal à l'aise. Amuse-nous, divertis-nous. Mais en tout sens. C'est ce que j'essaie de faire, ouais. Dance. Est-ce que c'est une musique? Est-ce que c'est une musique? Divertis-nous. En toute. Ah, ça peut être une des paroles de musique. Genre une musique américaine, enfin anglaise ou un truc comme ça. C'est pas impossible. Dance. Je sais pas. Mais c'est pas impossible. Ici j'ai déjà pris. Ok, donc il me reste 5 dés à trouver quand même. Ça fait beaucoup. Bon, ici il y avait un dé ici, donc il va pas en avoir d'autres. Tu m'étonnes. Ok. Skirt. Ok. Là. Damn. Mais ta gueule, Métida. On écoute la musique. Oh oui. Oh oui, ça fait plaisir ça. Oh, les 2D les uns à côté des autres, ils font plaisir là. Bon, avançons. Ok. On revient ici. Ok, j'ai un tas de trucs, mais c'est loin d'être suffisant. Dans la maison, non. Je suis revenu au début en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis revenu au début. Hein. Qu'est-ce que. Bah après, le problème c'est que. Vu que c'est vraiment une map où tout se marche dessus, c'est pas impossible que ça soit vraiment caché dans un truc que j'ai déjà fouillé et. Et merde quoi. C'est même 100% sûr que c'est ça. Donc ça va être un peu le bordel. Pour savoir où chercher. Hey, ne me fais vivre. Ah non, pardon. Ah cette phrase. Bah elle me fait vivre. Ah non. Là-haut peut-être.
Allo voir. Hein? Focus Annulus of the EP. Le fameux Focus Annulus, bien sûr. Oh la musique. Qui s'enjaille. Ah, je peux pas grimper là. Ah. Ok. Oh. Oh. Comment ça on peut aller là? Oh. Oh, dis-moi qu'il y a un dé quand même. Je t'en supplie. Il y a pas de dé, j'ai envie de crever. Mais quel est l'intérêt de venir ici du coup? Mais mec, ils mettent des zones hyper compliquées à atteindre et ils mettent... Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Plus que deux. Ça avance bien. Ça avance bien. Là, la musique s'est arrêtée, on se fait chier. Fois deux, ouais. Pas dingue. Oh, là-bas. Ah non. Ok. Faut que je grimpe. Là-bas. Et comment je grimpe là-bas? J'ai pas adopté une rose sylvanienne plutôt. D'accord. J'ai déjà pris ici. Ah, ah oui, l'arbre qui, c'est l'arbre qui saigne. Hop là. Nice. Ça se présente vraiment bien. C'est vrai. Il m'en manque plus qu'un. Il m'en manque plus qu'un. La question, c'est où est-ce que je cherche ça? Vu que les derniers ont l'air d'être dans des coins assez bâtards. Ah, en dessous? En dessous? Ou par là? En faisant du parkour? Non. Vu que c'est pas texturé. Mon attirail! Mon attirail. Non. Ça me dit rien cette zone. Ah si, cette zone c'est pour aller voir la Banshee. Genre là. Oh. Oh oh. Alors peut-être. Ah quoi que. Ah. Alors, ben non, je suis déjà allé là-bas. Tu veux chewing-gum? Ah, j'ai eu une once d'espoir, j'avoue. J'avoue. Ok, ici je suis déjà venu, c'est là où il y avait le... Où est-ce que je suis pas allé? Après c'est la Banshee là-bas donc... Non bah... Je crois que... Voilà. Ça va faire comme le Mont Jabot, hein. Je pense qu'on va laisser à 1D et puis on reviendra plus tard. Où est-ce que je pourrais chercher? Ils ont l'air de bien aimer hein, les trucs sur les champignons en hauteur, très compliqué à trouver. Ils ont l'air de bien aimer. Hein.
Ah, ou là peut-être. Non. J'avoue avoir du mal à savoir où chercher. Dans la grotte là en vrai. J'ai pas cherché ici hein. Mais encore, mais je m'en fous. Donnez-moi des armes. J'en ai marre d'avoir des armes de corps à corps et des sorts. Moi je veux des vraies armes, des pam-pam-boum quoi. Oh putain de merde. Ah hein ? Allô ? Merci. Bon, je pense qu'on va... On va switcher de map, hein. Bon, bah d'accord, en route. Ouais. Eh ben, ouais, on reviendra. Hein. Ça, j'ai fait la majorité de la map, j'avoue que mon cerveau commence à... Mon cerveau commence à en avoir marre de cette zone, donc vaut mieux reset. Et revenir plus tard. Salut Philiost. Ça va Philiost. On va aller voir à la tour vite fait quand même, si je pense pas que ça soit là-bas. Voyons voir, je suis ici, ce que signifie... Ça signifie quoi, d'ailleurs ? Oh, mais ces armes, mon dieu ! Mon dieu, ces armes ! Ouais ! Allez, on change de map. De toute façon, tout le reste, c'est bon. Hein. Oui, tout le reste, c'est bon, il me reste juste un dé à trouver. Bon. On a vu plus grave. Sabo Ardent, je le ferai en dernier, je pense. On va faire Fantémêlée, tiens. C'est une map que j'aimais bien, ça. Et je pense que j'ai fait la majorité. Il me reste une perle et 6 dés à trouver. Ouais, bon, ça va aller vite. Enfin, ça va aller vite. Doucement, Michel, avec les paroles. On va voir. Je te sors un sort. Hop. Je sens une odeur de sang séché d'ici. Non, je suis pas une naine. Juste attrapé et rentrer. Hein ? Ok. Faudrait voir quelle map serait la plus intéressante pour farmer les vendeurs. Y a un monde où ça doit être intéressant à farmer. Bon, faisons la meilleure map de jeu, et je n'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure map du jeu. J'ai senti ton odeur à des kilomètres. Regardez-moi cette map quoi. Pah ! Elle est tellement stylée cette map. Papapoing. Oh. Petit parchemin. Ces augures sont de mauvais jeux, sont de mauvais augures. J'ai tenté enfin de les prévenir. Ces imbéciles n'ont rien voulu savoir. Les présages sont partout. Mes visions sont limpides. J'ai même lu dans des entrailles de poulet. Et les entrailles de poulet ne mentent jamais. D'accord. Oui, un terrible mal s'abattra prochainement sur notre cité. Un fragment de destruction tombé du ciel qui ne laissera que ruine. Quant aux rares crétins rescapés, je me pencherai sur eux et leur susurrerai à l'oreille. Je vous l'avais bien dit.
Ah. La voyante rancunière. Je vous l'avais bien. Il slide. T'es en vacances la semaine de la GW? Let's go. Let's go. Parfait ça. Alors... Ah! Ah merde, c'est un cut pour revenir là-bas. Ah, ouais. Zut. Ok. Allez. Cherchons des petits dés. La prochaine fois, choisis une cible moins coriace. Moins coriace en... Oh, flemme de les affronter, hein. Hop. Flemme. Ça, c'est déjà fait, du coup. C'est le toit ? Ah, c'est le toit. Pas de dé ici. Je suis allé par là ? Apparemment. La feuille n'est pas texturée. C'est à savoir. Fun fact, la feuille n'est pas texturée. Pas de second souffle, pas grave. Ah, c'est normal, Philost. Bon bah, tentons ça vite fait. Moi, j'ai toujours espoir d'avoir un petit légendaire sympa. Bien que... Quelqu'un s'est égaré. T'avais aucune chance. Oup. Oup. Les fusils à pompe comme ça, c'est tellement les meilleures armes. No debate, hein.